such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my रहनुमा मेरे रहनुमा, ओ, तेरे नाम सा
voilà, mon make-up est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc, j'ai testé la petite palette d'Amier d'une élégante de chez T. Leclerc. Je vous montre les fards. Voilà, qui sont très très jolis. Hein. Alors, moi je trouve que les couleurs sont assez pigmentées. Ça va, elles ont une pigmentation... ça va, surtout le doré là. J'ai utilisé le doré là, vraiment, celui-là est très très joli. Mais les fards sont bien pigmentés. Par contre, ils sont poudreux. Donc attention, ce sont quand même des fards poudreux. Et j'ai eu des chutes quand j'ai mis mon petit doré pailleté. Mais sinon, je trouve que c'est une très bonne petite palette à glisser dans le sac, n'est-ce pas? Les fards se travaillent bien, je trouve. Assez bien, voilà. Et assez pigmenté, donc à voir si ça tient bien. Voilà, voilà. Donc, très bonne petite palette. En tout cas, j'en suis très, très contente. Donc, ben, maintenant, je vais vous la swatcher, cette petite palette, maintenant que j'ai fait mon make-up. Et donc, nous allons voir ça. Donc, je vais commencer par la ligne du haut. Et donc, je vais commencer par cette couleur. Ensuite, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Oh, ouais. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment assez bien pigmenté. Mais on voit quand même que c'est poudreux. Voilà, là, un petit rose mat. Là, c'est plutôt un brique. Hop, très joli. Alors là, c'est le beige, hein, celui que j'ai mis en fond, enfin, sur ma paupière pour unifier ma paupière après avoir mis la base. Voilà, donc là aussi, hein, l'air de rien, pigmenté quand même. Hein. Voilà, donc très, très bien. Donc voilà. La première couleur que j'ai swatchée, la deuxième et la troisième. Et donc, nous allons passer à la ligne d'en dessous et toujours dans le même ordre. Celle-là, puis celle-ci. Voilà, là, c'est clair. Hein. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose là. C'est un peu comme celle-ci, mais en irisé, quoi, en fait. On voit, hein, c'est joli. Hein. Attendez. On va remettre une petite couche. Voilà. Voilà le côté irisé. Un peu plus rosé que la couleur précédente. Ouais, on voit que c'est poudreux quand même. Hein. On va mettre un petit coup. On va voir la couleur. Ouais. Donc voilà, en fait, il y a eu un petit problème. Pendant que je vous swatchais, en fait, mon iPad s'est arrêté. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc en fait, je devais en être là. Voilà. Hop. Et donc, bah, du coup, vous voyez, j'ai swatché le reste, mais dans le vide. Alors. Après, il y a eu cette couleur, cette couleur, cette couleur et cette couleur. Voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat. Voilà, ils sont super beaux les irisés. Hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire avant que ça coupe. Voilà, et le marron très pigmenté. Mais alors, les irisés pailletés là, magnifiques. Vous voyez comment ils prennent la lumière? Ils sont trop trop beaux. Voilà, donc bon, je vous montre le swatch final. Hein. Une fois que j'ai tout mis sur... sur ma main et un peu sur mon bras, hein, puisque ça a coupé, j'en suis désolée, mais franchement, les fards sont assez pigmentés, hein, sont bien pigmentés. Alors là, les irisés pailletés sont vraiment magnifiques, j'adore. Voilà, mais les autres aussi sont très jolis et vraiment de quoi faire de jolis make-up. Donc, conclusion, c'est une petite palette vraiment sympathique. Voilà. Je suis très très contente de cette petite palette, le damier d'une élégante.
Et c'est vrai que la petite palette est sympa, un design sympa, et les couleurs vraiment très jolies et nous permettent de faire vraiment de beaux make-up, aussi bien de jour comme un make-up de soirée. Les fards sont bien pigmentés, mais poudreux quand même. Voilà, ils sont quand même poudreux, mais ça va, franchement, ça va. Donc très très bonne petite palette, j'en suis très contente, j'en ai encore plein les doigts. Voilà. Voilà. Donc très très jolie palette. Et bah, je vous la recommande sans problème. Hein. Même si elle est un peu poudreuse, bon, ça va quand même. Ça va. Voilà. Je vous la recommande quand même parce que franchement, les couleurs sont très jolies. Elles sont pigmentées. Et il y a vraiment de quoi faire de jolies combinaisons. Voilà. Et puis la palette est vraiment très très sympa. Hein. À chaque fois, je vous la remontre à l'envers. Voilà. Donc voilà, ma vidéo est à présent terminée. Donc j'espère que ce petit make-up vous aura plu. Cette petite vidéo maquillage vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette palette. Il y a que, là, les deux fards, là, je regarde depuis tout à l'heure. Ils sont très clairs, mais quand même. Mais quand même. On les voit. Il y en a un irisé, un mat. Très très sympa. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite palette, si vous l'avez vous-même, ou si ça vous a donné envie, ces petites couleurs, de l'acquérir. Donc bien voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'hésitez plus. Cette chaîne est faite pour vous. C'est facile, c'est gratuit, ça prend moins d'une seconde et ça mange pas de pain. Et moi, ça me permet de progresser. Il suffit de cliquer sur s'abonner là juste en dessous. Sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, ce serait dommage. N'hésitez pas non plus, si le contenu vous a plu, à laisser un petit j'aime là aussi. C'est facile, c'est rapide, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Bon ben, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, évidemment. Bye bye!